coques de téléphone, sculptures, bijoux, tout droit sortis de l'imprimante. L'impression 3D est présente à Nice. La boutique 3D Lab a été inaugurée samedi dernier dans la vieille ville. Un nouveau mode de consommation. On n'achète plus l'objet, on le crée. Il suffit de choisir le plan, la machine fait le reste. Comme seuls outils nécessaires, des logiciels, une imprimante 3D et des matières premières. Plastique, bois, pierre, métaux. Cette technologie traite toutes les matières. C'est à partir d'un filament de plastique ou d'autres matériaux comme de la pierre ou du bois avec lesquels on crée un dessin et ensuite par couches successives, ça lui donne du volume et même de la hauteur. Il faut compter entre 500 et 1600 euros pour une imprimante. Tout le monde peut s'en procurer. Certains modèles sont disponibles dans la boutique 3D Lab. Pour les utiliser, une formation de 2 heures suffit. Chez les professionnels, comptez environ 10 euros de l'heure de l'impression. Une bague, par exemple, ne met que 10 minutes à être réalisée. Le marché grandit sur Nice, la concurrence est la bienvenue. Avant de pouvoir imaginer ce qu'on peut faire avec cette machine-là, il faut d'abord la connaître. Donc bien sûr, plus on est nombreux pour le moment, le marché est loin d'être saturé, et loin d'être bouché. On est vraiment aux prémices de l'impression 3D. Les objets les plus banals sont réalisables, mais pas seulement. Armes à feu, reconstitution archéologique ou même bagues de fiançailles. La machine remplace l'artisan, les résultats sont au rendez-vous. L'impression 3D a de l'avenir.